côté Ballet National Contemporain de Toulon. Entre les deux tours des élections, on sentait vraiment qu'il y avait des menaces, que le, enfin, la probabilité que le Front National prenne la mairie. Donc j'ai annoncé entre les deux tours que si le Front National passait, je me retirerais de là. Et puis, c'est arrivé. Donc je suis parti. Donc tout mon travail était basé sur l'ouverture vers la ville, vers la cité. Donc déjà, par rapport au Front National, qui, par décret, je dirais presque, fait partie du conseil d'administration. Hein. Je voulais pas être je pouvais pas travailler avec ces gens-là. Je savais qu'ils sont trop loin de mes préoccupations. Donc je savais qu'il y aurait des problèmes. Donc j'ai préféré renoncer et partir ailleurs, quitte à me retrouver sans rien. Hein. Je l'ai dit, j'ai réuni les danseurs, j'ai réuni tout le monde. J'ai dit, il y a deux solutions, ou bien je donne ma démission en tant que directeur du Ballet National Contemporain de Toulon et vous gardez vos emplois, vous gardez vos vies, vos maisons, vous restez là avec vos familles. Moi je me retire, on nommera peut-être quelqu'un d'autre. Ou bien moi je m'en vais, si vous voulez, on dit qu'on part ensemble. Il y a eu une période un peu comme ça de réflexion et puis tout le monde a dit non, on s'en va. Donc c'est le ballet entièrement qui est parti. Ça c'était très très beau aussi. Enfin, je me suis pas senti complètement esselé avec ma décision. C'est tout le monde qui...